Aujourd'hui, à 60 ans, on a encore toutes ses dents. Voici 5 trucs à savoir pour trouver l'amour, et cette fois peut-être pour toujours. Premier conseil pour séduire une cible, avoir un corps de rêve. Surf, combat, zumba, aucun sport n'est déconseillé, pas même l'haltérophilie. Parfait. Qui sait, à force de lever les bras, vous réussirez peut-être à mettre quelqu'un sous votre aile. Deuxième astuce, inscrivez-vous dans un concours de reine de beauté. Le plus connu, les Super Mamies, une compète pour révéler vos talents. Les lauréates ont à coup sûr leur trombine dans le journal local. C'est l'occasion de se faire remarquer par un super papy. Troisième conseil, savoir garder une âme de jeunette. Avec vos copines, faites de l'ombre aux Spice Girls, comme ces groupes de mamies japonaises fans des US ou de musique pop. Et si votre truc, c'est plutôt le rap, reprenez des flows célèbres sur Internet, comme cette écossaise de 68 ans. Panda, 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 panda. 10 millions de vues. Pour rencontrer l'âme sœur, vous avez aussi l'option croisière. Senior, c'est vous qui voyagez le plus. Profitez-en, les agences vous chouchoutent avec des séjours spéciaux célibataires de plus de 60 ans. Au programme, soirée dansante tous les soirs. Et pour les plus casaniers, draguez à domicile. Oubliez la petite annonce énigmatique, faites plutôt votre marché sur le net. 1, 2, 3, 4, 5. Pléthore de sites vous sont dédiés. Pratique, à moins que vous n'ayez votre propre méthode. Je me démerde tout seul. Allez, monseigneur, il est l'heure de draguer comme un cador.